De la commission justice et sécurité publique du Sénat qui t'a adressé une correspondance par le bureau Sénat. Nous t'ai jugé bon pour une bonne première invitation mardi dernier et nous t'ai choisi pour que nous différions pour vous dire. Rencontre ça, c'est surtout on rencontre ou bien en séance côté nous allons échanger plus particulièrement. Pour nous essayer de comprendre comment que nous-mêmes nous avons constaté de visu qui était capable lié bien évidemment à un ensemble de facteurs ou bien un ensemble de paramètres dont nous-mêmes comme sénateurs ou bien comme public qui a regardé à pas maîtrise. Nous croyons que l'était impératif pour que rencontre ça, échange ça à l'effet avec le directeur général là. Qui gagnait confiance Sénat République là et qui gagnait et qui disposait d'un mandat constitutionnel de 3 ans. Son rappel que nous faisons par principe. Nous profitons de l'occasion ça tout pour que nous disions directeur général là. Nous saluer effort de communication que nous avons événement plus particulièrement à sénateurs, personnes des sénateurs eux-mêmes et le bâtiment qui logeait palais législatif. Nous sommes contents que coopération que nous avons menée en bas nos résultats et nous avons remarqué la présence de la police nationale ici dans le palais législatif là, que ce soit à terre ou bien que ce soit dans la mer avec les gardes côtes. Nous n'avons pas prêté trop longtemps. Nous allons passer la parole à sénateur Yuri Latortue, qui lui-même va permettre que l'on fait mise en contexte pour que nous très rapidement passer dans une série d'échanges que nous estimons qui est capable de foutre à la fois. Pour rapport qui toujours existait en Parlement haïtien, en Sénat, et plus particulièrement et la police nationale. Et en même temps, doit toujours continuer à développer avec la population. Dans la situation, ça, nous venons gagner justement eh bien, augmentation du gaz. Là. Et augmentation du gaz là. Divine menait justement à des émeutes, eh bien, population était livrée à lui-même. Côté que tu as une barricade dans la rue, côté que la route principale était bloquée, à l'intérieur dans le quartier, et il y a un peu de monde, un peu l'autorité dernière, dans le pays de la France, côté que tu as un incident qui est passé entre un policier et un citoyen, eh bien, tu as un gros problème qui t'est posé dans la ville-là. Mais où tu as des couloirs, côté que les citoyens doivent circuler, et qui vient faire que, malgré le problème, eh bien, on vient gagner la circulation, on vient gagner si des gens qui voient l'hôpital y aller. Mais le problème qui t'est posé dans le pays, c'est que tout le bail était bloqué. Et c'est peut-être ça. Commission justice et sécurité, eh bien, tu as besoin de comprendre ce qui passe. Nous connaissons la Constitution, nous, des chefs de la police et des chefs de l'armée qui bénéficient de confiance au Sénat. Donc, en général, bon relation, ça passe. Donc,
Josia, dans la mise en contexte, ça, ce qui est important pour nous, c'est essayer de comprendre ce qui est passé pour que le sénateur qui a posé question et prendre les décisions appropriées. Il y a un pile de paroles qui répétées, mais ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est un des chefs de la police là, ou du moins, membre état-major, ou plus précisément, nous sommes là, directeur départemental de l'Ouest là, parce que plus fort, Zach qui est arrivé, c'est dans le département de l'Ouest là, côté que c'est le directeur département de l'Ouest là qui est responsable. Et c'est dans ce sens ça que la convocation est faite par la commission qui demandait au président eh bien, inviter l'état-major. Et dans l'explication que nous voulons connaître, nous avons besoin de garder de façon spéciale déjà rôle unité spécialisée, qui rôle que vous avez joué, que ce soit maintien de l'ordre ou bien unité quand soit team, ou police saoulée territoriale là, police en uniforme, ou toute l'autre unité spécialisée. Et pour qui ça, nous pas de gagner prévention, ça veut dire que nous connaissons toute activité basée, pas vraiment sur répression, mais c'est sur prévention. Et répression, vous faites, c'est le vraiment prévention n'est pas faite. Pour qui ça, nous pas de gagner prévention pendant AXA yo, et pour qui ça même le dégainoir par une prévention, eh bien, nous dérivés dans la situation ça. Eh bien, commission, même Jean, à président Sénat, apprécié le fait que le bâtiment que nous avons, à plusieurs reprises, était menacé, mais la police était côté le vigilant. Mais ce qui est important, c'est la population. C'est entrepreneurs, c'est les gens qui investissent par tout événement ça a arrivé, qui a perdu confiance. Et je dis à nous penser, à partir de l'audition ça, eh bien, il faut que nous joignons une bonne explication. Il faut que y ait une décision qui prend pour que nous ne disions pas recommencer dans la situation. Président, membre bureau, la commission t'a remis à l'écoute de l'état-major là pour que l'étendait sous préoccupation la question de la prévention, la question des interventions, pour qui ça nous devons gagner notre dit en pile de défaillance. Moi pense que après intervention ça yo, eh bien commission a toujours intervenu pour nous reposer question à partir de l'intervention. Et c'est sous point ça, monsieur le président, nous avons quitté le tribunal pour que nous attendions l'état-major là et prendre acte de déclaration. Est-ce que la police a un plan de sécurité? M'a dit oui. Automatiquement que Brite Kouyo pral monté gaz là, nous te travaillons sur un plan de sécurité. N'a permettre moins en un plan ça me rallie deux trois détails qui peuvent ban une idée de qui j'en nous-mêmes. Alors pour l'Assemblée, m'a juste montré plan, mais un plan de sécurité avec toute confidentialité que ça exigeait, nous pas capable de rendre public. Mais n'a permettre moi rallie deux trois détails. En un plan ça nous te dit pour nous capable de répondre à ça qu'a venir, n'a besoin pas moins de 3000 policiers dans le département de l'Ouest là seulement. Et il arrive que sur les 3000 que nous devons gagner, si toutefois on est informé de décision ça, donc nous tape fonctionner à 32% le premier jour. 30% ou 32%? 32% pour la première journée, la journée du 6. Avant que nous nous rentrions en dans le détail, nous avons aimé parler de l'événement avant, pendant et après. Avant, nous avons eu une chance pour nous faire une rencontre de CSPN au niveau du ministère de la Justice. Nous avons discuté de tout bagaille sauf de questions d'augmentation prix carburant. À une rencontre spéciale du CSPN, produits pétroliers,
qui t'a pris dans quelques heures. Monde qui habitue à la sécurité, planification sécurité qu'on est, nous-mêmes, nous besoin de temps pour nous capables d'organiser la sécurité. Puisque la sécurité a été déjà planifiée, nous avons besoin de temps pour organiser. Dans l'organisation, nous avons appel à ressources pour nous capables de mettre en place avant la décision, lui-même les outils. C'est là qu'on a parlé de prévention. À minuit, ils ont informé nous qu'ils ont pris une décision. Et nous-mêmes, nous avons fait valoir préoccupation. Bam. D'abord, nous avons osé, avec permission responsable, commenter la décision. Premier commentaire, nous avons fait. Nous avons échangé l'année dernière avec la directrice Banque Centrale. Là. Il était ferme comprendre que période estivale là sont période d'or pour la Banque Centrale. Côté en pile diaspora rentrer. Côté que circulation dollar là. Côté que Banque Centrale a en mesure pour maintenir l'équilibre groupe dollar. Donc, pour répondre à préoccupation qui était suscitée dans la disposition de Tabral Blanc, côté que vous avez fait, nous connaissons que nous avons bien un cap. À 6 semaines de turbulence, l'âme de dit, eh bien, été à son été pratiquement qui va le garder. Et ça ne déjeune comme réponse, moun kap sot à l'étranger, yo, c'est pas pour tout prince, yo, vini sans provincial. Deuxième commentaire, m'de aux effets, de dit moi-même, comme directeur général, li vraiment pile temps pour m'de approprier décision ça. Quid de monde qui a vivé en bas, monde qui dans la rue, qui pas gagné même intelligence que moi-même moi t'as gagné, comment on va le faire pour comprendre mesure ça si pas gagné on sensibilisation qui fait. Et déjà une bonne réponse, sensibilisation a fait depuis plus de 2 mois et demi. Et moi rappeler moi t'ai dit, moi pas fait du tac ou tac, bon parler qu'on y a du besoin. PNHA pour le capable d'adresser la décision ça pour le grand. Premier besoin moi-même moi été formulé. J'ai dit m'a besoin des véhicules. Nous dans mi-temps journée 5 là. Décision va le prendre à minuit. Des jeunes comme réponse que les gars entre temps nous va cacher machine. Nous t'ai proposé en fond avec les ministres, les directeurs généraux, les directeurs départementaux, faire mettre à disposition la police, véhicule service de l'État, parce que m'a besoin de mobilité. Et là, a gagné pratiquement suivi de fait. Et pour écarter toute l'idée qu'on a crasé machine ça, pour te proposer de mettre banou avec chauffeur. Deuxième proposition, ou deuxième besoin que nous t'exprimer. Comme sapeur-pompier, il y a un problème grave, surtout sur Port-au-Prince. On voit comment on est capable de doter patrouille ça qui prend dans la rue de extincteur. Si vous tombez sur un barricade enflammé, que vous êtes capable d'adresser rapidement pour nous capable de continuer à faire le job. Et là, vous êtes capable de témoigner que vous avez des suivis rapides qui étaient faits pour nous rentrer en position de secteur. Troisième besoin que nous-mêmes nous exprimons, problème trouble, problème manifestation, ça y est. Ou pas capable d'adresser yo d'entrée de jeu avec éléments que nous relais police administrative là qui c'est nèg qui dans commissariat yo les crémis bleus c'est avec unité qui prend formation dans question ça or gagné pratiquement 3 mois de cela mon note que me fait sortir côté que me demander tout responsable unité ça yo et directeur départemental prend disposition pour être capable de rapatrier tout élément.
éléments, unité ça qui retrouvé en détachement auprès de votre personnalité. Parce que justement, nous devons faire preuve de proactivité, nous avons besoin de bras ça pour le problème ça y pour arriver. Et après l'autre, nous demandons, il faut que nous mettions les à disposition. Non. Et que, revient maintenant aux autorités pour identifier d'autres éléments en dans le commissariat pour sécurité yo, et nous-mêmes, si c'est avec plaisir, n'a pas eu. Ajoutez à ce même article, petit a, assure la gestion administrative et financière. Petit b, coordonner et superviser les autres directions. Petit c, veiller. À l'article 17, deuxième ligne, enlever le mot présidentiel et à la dernière, remplacer, adopter par défini. Puis ajouter en abordant la priorité au le domaine du handicap. Article 23, promu en 22 sont éliminés au point 10 fonctionnement du Fonds de solidarité nationale qui existe, s'il vous plaît, ajouter ERT après existe, dans les catégories des personnes à mobilité réduite, car très souvent, elles sont stigmatisées et marginalisées. La commission estime que ce projet de loi a une importance capitale pour ce secteur et le pays. Ainsi, elle recommande à l'Assemblée de lui accorder un vote favorable et lui retirer accent sur A devant une importance. Merci pour la commission. Joseph Antonio Vémitin, président. Esaïe Prophète, vice-président. Jude Jean, secrétaire d'abord. Merci. Merci pour les vérités. Vous êtes adorés. Donc le rapport tel que est corrigé par l'ensemble de nos collègues est mis au vote. Donc les députés qui sont pour sont priés de lever la main, s'il vous plaît. Action du collègue Bossé qui est tel. Merci. Merci collègue Lothieu. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent. Merci.
Je dis à ce deuxième jour, assise criminelle, avec et sans assistance des jurys qui débutaient dans la juridiction par des bouquets. Donc, a dit que session était ouvrière, et c'est deuxième session pour année judiciaire 2017-2018. Là. Donc, première session en défaillé en décembre 2017. Donc, c'était une réussite totale capitale. Et je crois que c'est la seule juridiction Radio Bouquet qui est organisée assise criminelle avec et sans assistance des jurys. Donc, nous profitons pour nous féliciter tout magistrat dans le tribunal là, tout acteur, le bâtonnat, le paquet, tout le monde en général, parce que la police a contribué sérieusement pour que assise ait réussi. Donc, nous commençons depuis hier avec deuxième session. Hein, et c'est moi qui ai ouvert session, hein, qui a dit que. Et nous bien commencé. Et pendant que je l'ai vraiment, j'étais en cas de vol de nuit avec effraction. Et donc, c'était deux accusés. Donc, on a dit que l'audience a été terminée et j'étais jeune libération. Et l'autre chambre, je crois que le dossier ça a été renvoyé justement pour jeudi. Et je dis à comme nous avons constaté, le milieu, et que tout va dérouler très bien. Et je pense que c'est pas seulement tout le temps que les mauvaises informations sur la juridiction de bouquin. Moi, c'est ce moment pour que nous féliciter le fonctionnement du tribunal là, qui jusqu'à présent a marché très bien. Et non seulement nous avons assises criminelles avec ses assistants de juge en décembre, et pendant toute année judiciaire là, nous avons des audiences vraiment intéressantes, côté que des dossiers qui étaient 15 accusés, des dossiers qui étaient 12 accusés, n'arrivaient évacués, et ça a vraiment contribué à diminuer la détention préventive prolongée dans la prison. Donc, je pense que même les responsables prison ont apprécié ça, ils ont comment le taux a diminué, et ils ont continué de travailler pour que nous soyons capables de réduire à zéro. Donc, c'est la permanence qui est décrétée. Donc, nous avons assis ça là qui est fixé du 23 juillet au 24 août, c'est pour un mois. Environ une cinquantaine de dossiers à bien vous entendre pendant la session assis ça. Et on espère que tout va bien passer afin que le cas réussisse. Qui a qui plus que la Donc au cas où je dis à là, il y a un cas d'enlèvement, 5 accusés qui n'ont cas ça, qui n'ont dossier ça. Donc et ce sont des cas vraiment très fréquents, cas d'enlèvement suivi de séquestration contre rançon, des cas de viol, plusieurs des cas de viol. Nous avons pendant la session ça aussi, et des cas d'assassinat, de meurtre. Donc on a dit que c'est tout type de cas que nous avons essayé d'évacuer. Et au fur et à mesure pour que nous soyons capables de réduire les tensions préventives prolongées. Le problème foncier, il y a un problème vraiment. Il n'y a pas de risque. Il y a aussi des cas à eux qui répétaient dans le début. Ah ben oui, nous-mêmes, nous traitons tout cas qui présentait. Donc, on connaissait en tout. Le problème foncier, là, c'est un problème que la situation foncière dans la juridiction en Croix-des-Bouquets, c'est un problème, c'est lui qui a un pile critique. Mais c'est on ensemble. Ce n'est pas seulement la justice. Donc, vous connaissez un notaire, un apprenteur, de tout fait partie de chaîne. Parce que l'un monde présente le tribunal, il nous a un document dans la main, donc je suis obligé de prendre voie légale. Donc, et pièce que notaire, là, apprenteur l'a fait, le couille jusqu'à l'inscription de faux. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas arrêter comme ça pour dire pièce pour n'en pas bon, c'est dans le procès pour y aller. Donc, en général, qui supposait traiter la question ça, pour que nous-mêmes, pour nous donner plus de facilité, pour que nous capables justement et juger quand ils reviennent. Mais en ce qui concerne Maïssa, juger pour responsabilité, pour dire le mot du doigt. Donc, il a dit le mot du doigt à chaque fois que a présenté à dire. Donc, moi, c'est que c'est un pile d'efforts qu'on a fait malgré que la situation qu'on a constaté là, vraiment, nous n'avons chaleur. Hein? Et donc, problème, il y a un pile.
Mais nous parlons de plein pour problème, c'est solution que nous travaillons pour que normalement, responsabilité que nous avons, que nous faisons conformément à la loi. Mais pour le commissariat détenu, tout le monde vient à temps. Oh oui, bon, c'est félicitations pour prison, hein. Pour la police, félicitations. Et nous avons un backup là vraiment pour la sécurité, c'est correct pour la sécurité. Et commissaire Yvon Jean-Noël, vraiment, il prend des dispositions pour que substitue à l'heure tout, juge à l'heure. Donc, je pense que nous partons pour un bel assise. La loi trace exactement comment tout va être fait. Donc, c'est que nous nous présentons dans l'heure que la loi fixée à 48 heures pour faire effort, pour respecter. Juge, alors, paquet, il va être visitoire dans le temps réel et cabinet d'instruction pour répondre à l'appel. Mais cependant, c'est toujours un hic. Parce qu'on est problème renouvellement mandat en juge. À chaque fois mandat fini pour renouveler, dossier ça m'oblige à redistribuer encore. Donc dans ce cas, son retard. Donc vous comprenez, donc ça veut dire que actuellement là, il y a plusieurs mandats là qui détendent rivé à thème. Donc dossier ça m'oblige à reprendre et l'autre juge qui était yo pour avoir plus de dossiers. Donc vous comprenez la situation, ça, malgré faut que le juge fait vraiment pour tabayer dossier yo, bah ordonnance dans le délai que la loi fixée, mais vous ne pas arriver à faire. Parce que c'est l'État en général qui choisit pour responsabilité, c'est tout le monde qui fait partie de la chaîne qui peut prendre responsabilité. Donc à chaque fois, là, on se tue, soit révoquer le toit avec le dossier, ou bien le commissaire en chef changer. Donc ça justement bloqué marche et procédure là. Donc je pense que c'est chaque monde pour responsabilité dans la tâche qui est au barreau pour faire justement avec le sens du sérieux. Le barreau, le parquet, le tribunal. Mais cependant, il y a un problème, c'est que nous n'avons pas assez de greffiers, assez d'huissiers. Donc il y a plein de ça. Donc nous attendons que l'État réponde nous pour que nous ayons assez. Nous croyons qu'il y a des greffiers qui font graduer à l'école de la magistrature. Nous apprécions ça parce que vous faites stage avec nous, vous avez vraiment une capacité pour faire travail là, mais vous pouvez nommer. Donc, le fait que nous avons 40 ans, nous avons des cabinets d'instruction besoin de greffiers pour fonctionner. Tout ça, c'est son blocage. Et nous espérons que normalement, le responsable du ministère là fait, le CSPJ a fait suivi pour que nous ayons des greffiers, des huissiers, afin que le travail puisse continuer. Le greffier obligé à siéger suivi, qui est vraiment très fatigant. Et en même temps, tout gagne cabinet d'instruction, pas qu'à bloquer. Donc, et c'est ça. On va comprendre que le problème de détention préventive là, donc c'est un problème que je suppose est traité dans toute sa globalité. Donc, je pense que c'est l'État même qui suppose vraiment mettre tout bagaille justement à point afin que tout responsable soit capable de travailler conformément à la loi. Dernier mot, c'est quand c'est dit que c'est remercier la presse justement qui permet que tout le monde qui travaille qu'a fait dans la juridiction, hein, nous féliciter justement et toute population qui apprécie le travail là tout, qui vient assister dans l'audience, après que là, donc on peut comprendre que dans la juridiction vraiment pas gagné en pile. Et plein pour gens que la justice a fonctionné. C'est vrai, on est humain. Et ça a toujours des gens qui ne sont pas satisfaits parce que c'est justice. Tout le monde n'est pas satisfait en même temps. Mais cependant, on a fait l'effort pour que normalement, et nous appliquer exactement ça la loi dit. Et je me dis nous merci, et merci à tout le magistrat qui a collaboré dans la juridiction, tout le substitut commissaire, le commissaire en chef, le bâtonnier, que je profite de ça, lui, vraiment qui n'est pas trop en bonne santé, et tous les avocats. Donc, je dis tout le monde, bonne assise, et criminel avec les assistants des jurés dans la juridiction. Université d'État d'Haïti, une plus grande université dans le pays, puisque sont, comme nous on dit, Université d'État d'Haïti. Donc, c'est un moment solennel parce que nous avons ouvert l'inscription en dans UH, là, inscription d'entrée. Nous pourrons accueillir une nouvelle génération garçons et filles en dans UH. Là. L'université a offert un ensemble de jeunes opportunité pour venir étudier en dans UH là, l'Université d'État d'Haïti, que moun pa paye pour entrer en dans l'Université d'État. Ça veut dire que
jeunes qui rentrent, ils n'ont pas gagné un salaire, ils n'ont pas gagné l'argent pour être capable de payer chaque mois ou bien chaque trimestre. Ils ont des frais que pour payer. Mais en dans l'Université d'État d'Haïti, c'est gratis. C'est extrêmement important. Et malgré, ça me dit, misère, pauvreté qui vient dans le pays, dans l'État, mais l'État haïtien offre quand même un bagage à jeunes garçons, jeunes filles. Il y a une opportunité pour faire études universitaires. Et c'est un joie lié. Les jeunes ont une chance d'entrer dans l'Université d'État d'Haïti. Nous ouvrons l'inscription depuis 20 juillet et l'inscription a fini 24 août. Bon, et par rapport à la faculté de technologie, nous-mêmes dans le rectorat, comme vice-rectorat aux affaires académiques, nous rencontrons les responsables faculté ethnologie, les gens qui travaillent dans la faculté ethnologie, ils garantissent que nous avons examen. Mais ils ne peuvent pas nous donner une date là, c'est pour ça que d'ailleurs nous avons figuré dans l'affiche là. Donc, la faculté a une autonomie relative. Tout le monde géré dans le rectorat, mais la faculté a une autonomie relative. Donc, ils nous garantissent et sous peu, il y a une date d'examen, date d'examen concours pour nous. Et attention, inscription ouvre pour tout le monde, pour toute faculté qui est dans l'UH là. Je pense que ça c'est un drame. La capacité d'accueil là, il faut confesser ça, c'est un drame. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'université n'a pas rien, mais accueillir plus d'étudiants, non. Attention, au contraire, pas oublier, ça me dit dans l'introduction, le pays a besoin d'un bon monde qui connaît, mais ou pas qu'à faire université sans pas de ressources. Sans question de ressources, oui. Faut l'État mettre en bonne ressource hein, dans l'université. Premièrement, il faut que nous ayons l'argent pour nous payer professeurs. Donc ce drame, ça gagne un gros problème de ressources humaines. C'est vrai, nous ne pouvons pas accueillir peut-être chaque année, nous accueillons près de 4500 ou bien 5000 personnes par an, c'est peu. Non, il faut être capable de dire, nous avons un bon esprit, mais nous n'avons pas de moyens financiers et pour nous porter l'université si nous n'avons pas l'argent. Right? Que ce soit l'État ou bien le secteur privé, pour qu'on investi, parce que ça coûte cher à étudier universitaire. Donc, nous n'avons pas l'argent, l'État n'a pas suffisamment de moyens pour si nous prenons un bon monde que nous ne sommes pas capables de faire une formation, nous faisons une formation au rabais, sans professeur, sans moyens matériels didactiques, nous ne pouvons pas faire ça. Donc, c'est vraiment une limite, et c'est avec cœur serré que nous disons, c'est nous pas capable plus. L'homme dit complexe là, à part de l'université, il faut avoir l'autre centre de formation, tout, formation technique dans le pays. Hey, c'est extrêmement important ce que je dis là. Hein? C'est, je ne dis pas que dans l'université, il n'y a pas fait dans l'université. Non, il faut là. D'ailleurs, mais l'on choisit pour entrer à l'université, soit fait. Peut-être qu'il y a des formations techniques professionnelles qui sont faites. Mais pas gagner dans le pays. C'est extrêmement important. Non? C'est parce que quand bon monde qui est rentré dans nos facultés comme ça, bon, vous avez l'impression que bon, c'est parce que vous n'avez pas gagné l'autre bagaille, pas gagné l'autre alternative, on est même pour le cas fait. C'est pas, parce que ben, l'université à Sauvage est extrêmement sérieux. Hein? Mais malheureusement, il n'y a pas de jeunes l'autre possibilité. Parce que ce n'est pas l'université seulement gagner pour faire études supérieures. Ou t'es qu'à faire études supérieures dans l'autre section, etc. T'es même t'es qu'à bien l'autre formation, ça me dégagerait des formations courtes. Que nous n'étions pas capables de faire formation courte 2 ans, 3 ans, 1 an et demi, n'est-ce pas un diplôme ou bien n'est-ce pas un diplôme, là le travail. C'est extrêmement important. Ça m'a demandé une réflexion, même si pour qui ça nous entraîne dans l'université. Première précision à porter pour tout postulant dans l'UHNSA. Bon,
bon, li pa ane sa selman, men nou insiste an pil sou li ane sa, se ke tout moun inscrit en ligne. Donc ça veut dire, inscription dans l'université d'État, li fait en 3 étapes. Premier étape là, c'est l'inscription en ligne. Donc tout postulant est invité pour aller sur le site université A. Et qui est disponible sur le site université A. Et toute affiche que nous publions. Donc étudiants étudiant pour aller sur le site que nous baillons pour capable inscrire en ligne. Donc ça est obligatoire, parce que si on ne pas inscrit en ligne, il n'y a pas aucune possibilité pour le considérer comme étudiant à l'UEH. Maintenant, après avoir inscrit en ligne, vous pourrez le gagner pour prix. Donc, il pourrez le payer à la banque, 500 gouttes pour chaque faculté. Ça et en troisième lieu, vous pourrez déposer toute pièce que nous exigeons dans la faculté de choisir. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, nous connaissons que des postulants qui ont des difficultés pour inscrire sur ce site-là. Nous avons informé que le rectorat il a à peine publié un tutoriel qui est publié déjà, qui montrait comment un postulant capable d'inscrire sur ce site-là, comment, de A à Z, comment on est capable de procéder à l'inscription pour éviter toute difficulté qu'on a habitué à gagner. Vice-recteur a dit déjà, Anessa, processus d'inscription a commencé déjà, c'est 20 juillet. Et là, fini 24 août. Donc, chaque postulant gagne une période ça pour inscrire. L'AMDI inscrit, ça veut dire aller sur ce site-là, payer, remplir le formulaire en ligne, payer la banque et déposer pièce dans la faculté. Et date pour concours, il y a publié déjà dans l'avis que nous mettons dehors. Donc, postulant est capable de visiter, aller voir l'affiche que nous publions sur la question ça et que les médias, que nous baillons dans le dossier que les médias ont là. Une petite précision rapidement, comme nous dit inscription en ligne est obligatoire. Ben m'a dit que pour monde qui était participé dans un concours d'entrée à l'université d'État d'Haïti l'année dernière, ça veut dire 2017, année ça, ils n'ont pas besoin de créer un tout déjà un dossier sur site là. Ça veut dire pas besoin de créer un nouveau compte. Il suffit que vous connectez à compte qui a été gagné l'année dernière là et choisissez faculté que vous voulez gagner. Hein. Ça fait me dit ça, c'est parce que l'aime parler d'inscription en ligne. Et l'important pour que les postulants reconnaissent, cette information est très important, que si tu as utilisé un email l'année dernière pour te créer un compte sur le site UEH, ou pas qu'à utiliser email ça encore. Ça veut dire email que tu as utilisé. Donc, ou pas l'obligé, ou pas juste besoin de réactiver le compte côté gagné. Et si vous n'avez pas gagné, donc dans le tutoriel que nous mettons dehors, qui est probablement tout possible à gagner par, à travers les médias et également sur les réseaux sociaux, vous êtes capable de donner des indications sur là. Donc, c'était quelques précisions sur l'inscription et des... Réseau national Tête Calée Haïtien a lancé un appel à toute structure. Tout groupe organisé qui fait partie de mouvance Tête Calée, à toute Tête Calée qui sous 27 750 km², pour yon camper comme un seul homme autour de président Jovenel Moïse. C'est la seule façon pour nous barrer la route à partisan Kaoyo pour yo pas capable de quitter plan diabolique que yo gagné pour pays. Peuple haïtien, li pas normal pour yon petit groupe à tout faire vle kembe tout yon peuple en otage. Yo bay tèt yo non. Secteur démocratique ak populaire. Yo comprend yo ka utiliser tout mouvement revendicatif que peuple a fait pour yo même yo fait déchoucage. Yo prêt pour réduire pays ensemble. Parce que d'après yo même, c'est seule façon pour yo arriver dans le pouvoir. Il a fait tout complot, toute vieille manœuvre pour déstabiliser le pays.
Réseau national tête calée. Jodi a, nous exiger ti groupe malfaiteur ça pour yo enlever non ça que yo bay tête yo a, parce que yo pas ni démocrate ni populaire. Nous bayo seulement 72 ans pour yo enlever. Dans le cas contraire, réseau a poursuivi yo. Et n'a profité pour nous dire leur démocrate, c'est leur respecter maman loi pays. C'est leur ou respecter mandat constitutionnel. C'est pour faux démocrates, ça y est, opération boulonner président Jovenel. Yon opération qui tombe aujourd'hui à même dans quatre pays. Jusqu'à ce que le président finisse mandat. Peuple haïtien, réseau a demandé nous. Parce que tout projet, toute promesse de campagne, l'IO, l'a réalisé yo avant fin mandat. Tant que nous avons constaté aujourd'hui, route a fait dans quatre compagnies. Projet courant 24 sur 24 là a bien avancé. Agriculture a modernisé. Et toute disposition déjà prend pour accompagnement social yo rive joindre nous. Peuple haïtien, nous pas capable jodi an pas profiter de micro la presse pour nous faire un petit parler sous question formation gouvernement qui vient pour faire, parce qu'il y va de notre avenir. Oui, pays a besoin d'un bon premier ministre, un premier ministre qui a un bon collaborateur pour le président de la République là, qui n'a pas un simple serviteur, un premier ministre qui a une expérience déjà dans sa fait l'État en d'un pays ça. Yon premier ministre qui a capacité pour mettre tout le monde chita, tout petit pays. Yon bon rassemble. Mais attention, réseau national tête calée dit attention, nous parlons bouillon réchauffé. Qui pour utile peuple là. Et n'a dit parlementaire yo. Excusez-nous si nous rappelons que Wolio, c'est contrôler l'action gouvernementale. La. Mission, yo, c'est pour légiférer. Question former gouvernement, c'est une prérogative du président de la République. Yo seulement doué accompagner président pour que gouvernement capable former rapide parce que peuple a un grand goût, peuple a la misère, nous avons un peuple qui pas attendre. Jodi an peuple cité soleil pas attendre en dans quatre coins géographiques paysans. Si yon pas katan, misère arrête, grand goût arrête. Mais c'est pour parlementaire yon, en tant que président de la République, là, pour yon former yon gouvernement rapide, qui pour venir adresser problème peuple. Là. À l'instar de Jovenel Moïse, son président peuple, qui est toujours positionné pour que le peuple haïtien rive joindre sa mérite, sa besoin et sa cap bon pour lui. Dans ce sens, nous sommes capables de dire que
président Jovenel, dans toute prise de décision, ce peuple-là, l'y mettait en premier. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le président, en aucun cas, ne peut pas aller dans une route qui n'est pas route population. Donc, encore une fois, nous avons demandé au peuple pour renouveler confiance avec le président Jovenel, parce que la route sur laquelle je dis que nous y est, moi sûr et certain que l'Ipral débouchait justement sur une issue favorable, côté que nous pourrons suspendre vivre dans un marasme économique de toutes sortes que nous trouvons depuis belle lurette. Station nationale Force populaire CONAF. Mandé peuple haïtien rete solidaire ak président yo ki se Jovenel Moïse. Concertation nationale Force populaire CONAF a dit président Jovenel Moïse pas oublier deuxième mi-temps, c'est coupable militant qui te fait 22 mois campagne, 20 mois manifestation, 3 veillées patriotiques pour nous mettre au sous pouvoir. C'est peut-être ça. Nous mandons dans nouveau gouvernement 30% nous en. Concertation nationale Force populaire invite toute organisation, tout militant, toute base conséquente qui voulait rester debout face à la situation force fait noire, qui voulait mettre en dedans pays à qui donc. Nous demandons président Jovenel Moïse pour choisir un premier ministre rassemblé dans l'intérêt de masse peuple là. Politique pays a trouvé jeudi à là. Et il besoin un premier ministre qui c'est un personnage jam, honnête moral. Et il y a un rassemblé, il y a un monde qui est capable de rassembler tout petit peuple là. Bon, il y a un monde qui peut aller dans l'avantage pays. Nous n'avons pas qu'à faire proposition pour nous dire président, mais qui est-ce pour le choisir. Mais sauf que nous connaissons le président, le même côté de l'IA, l'IA, qui conjoncture politique que le pays a traversé. Nous sommes tous déjà, nous n'avons pas qu'à faire personnalité. Mais le président peut choisir, selon la conjoncture politique, là, il y a un monde qui peut aller dans l'avantage pays, dans l'avantage tout petit pays, il y a un personnage et honnête et moral, et il y a un personnage qui jamais ne prend décision, donc qui est capable de retirer le pays, là, et un pas difficile qu'il trouve, je veux dire. Là. Je dis, objectif nous, c'est dit avec tout l'État, avec tout organisme, exactement. Comment organisation ensemble en série de activités que nous avons réalisé, mais activités ça que nous pas jamais joindre support l'État, bien entendu qui t'a supposé accompagner nous. Donc il y a des organismes qui travaillent avec nous déjà, par exemple Oxfam et Gret en cas de projet parade là, nous déjà réalisé un projet sous canalisation certes, mais il est tellement pas suffit par rapport avec ensemble des problèmes que nous avons confronté. Donc il y a un projet spécialement pour Anessa qui c'est aide au devoir. Aide au devoir c'est un projet qui voilait croiser sa relo directement délinquance juvénile. Jodi an la, ouais, nous tous sous plateau là, objectif nous c'est mander l'État pour prendre responsabilité. Là nous dit l'État prend responsabilité envers timoun yo parce qu'actuellement là sous dans deuxième circonscription, il y a une délinquance cap manipuler dans toute zone yo. Timoun yo lagué à la dérive. Timoun yo reste avec et gen pile timoun kap sorti exactement dans pingé pour aller dans la rue à chercher la vie. Écoutez l'État, bien entendu, nous connaissons bien être social, gagner comme attribution pour prendre 4 timoun en charge. Nous-mêmes, nous voyons qu'il y a des grands efforts et dire qu'est-ce qu'il a fait. Nous demandons pour faire plus d'efforts. Parce que nous-mêmes, dans l'immédiat jeunesse Haïti, nous ne pouvons jamais joindre aucune assistance. Est-ce qu'il y a une exclusion sociale? Est-ce que nous-mêmes, nous pas existé dans la couche société? Nous-mêmes, nous demandons avec la presse, nous demandons avec toute communauté internationale là et nationale là pour accompagner nous. Actuellement là nous avons un candidat que nous déjà ouvert depuis hier que nous commencé Timoun yo vini yo espace là pas agréable. Côté que normalement nous fait effort après projet à nous arranger nous des petits bagages que nous fait mais dans pile bagages que nous t'arrêt mais fait que nous pas qu'à faire. Nous t'arrêt même des organismes yo, organisation qui travaille sur axe droit de l'enfance yo. Pas changer voyez sous nous.